Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour ce qui sera peut-être le dernier épisode de notre Let's Play sur The Surge 2, je dis ça depuis plusieurs épisodes, j'espère que cette fois-ci c'est bon, je pense qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite, j'aimerais bien passer en full MK9 avant, il me manque 3 pièces de jambes et 10 000 scrap à peu près, ça peut se faire très vite, donc on va voir, donc le raccourci c'est par là, et zouf. Banipé, non, je pense pas. Pourquoi je suis remonté ici? Attends, c'est où? C'est ça. Mince, je suis perdu. C'est là. Ça y est. C'était là. Et merci beaucoup à Emporio pour les 2 mois. Toujours un plaisir de regarder tes lives. C'est très gentil. Merci, merci. Donc là, on veut une jambe. Tout à l'heure, il nous a arnaqué, il nous a pas donné de jambe. Jambe droite. Aïe. Bim. Donc, il nous manque 2 pièces de jambe et toujours pas mal de trucs. J'aurais... Est-ce qu'on aura un autre raccourci ? Là, ah si, on va peut-être avoir une porte à ouvrir. Si, je pense qu'on aura un autre raccourci, donc on n'a pas besoin de revenir ici. Et donc la suite, c'est là. Toi, il faudrait que tu nous donnes une jambe. T'as bien déboîté, c'était bien. C'est moi ou tu m'as rien donné du tout? Radin? Radin? Ok. Donc ça on a pris, donc notre seul chemin c'est ici. Ah ouais, mais il y a un chemin qui monte et un chemin qui descend. Mince, on est toujours dans la... Donc quand je descendais, qu'est-ce que j'ai trouvé en descendant? En descendant, j'avais déjà cassé ça, je pense qu'il y avait juste un loot et rien d'autre. Et des endroits où potentiellement sauter. Ouais, ça m'aurait permis de sauter, d'aller prendre ce loot-là, donc ça c'est bon. Donc ça on y a déjà été, ici, ça mène vers les souterrains. Donc là en effet, on monte. Il n'y a qu'un seul chemin, tout va bien. Donc là, à partir de là, c'est nouveau. Là, un raccourci à débloquer pour après, peut-être. C'est du MK7, mais tu dois pas être seul, j'imagine. Oh, t'as l'air d'être seul. À moins que toi, tu te relèves. Ouais, t'es louche, toi. Des îles de côté, ça c'est fait. Donc il y a un Billy qui nous tire dessus, je crois où il est. T'es de quel côté? Ah, t'es là-bas. Oh non, va falloir passer par là. On peut passer par ici. Il y a 2 chemins. Il y a ce... Non, on va passer par l'autre. Il a l'air mieux celui-là. Est-ce que t'es seul? Et t'es MK quoi? T'es MK9. Est-ce que t'as une jambe? Et est-ce que tu veux bien la prêter? Jambe gauche, nickel. On va se mettre comme ça pour être sûr. Ok, j'espère que c'est bon. Yes! Donc 5, il nous manque une seule jambe. Ok, on va casser ça. Il n'y a rien dedans. On a un loot à récupérer ici. On va essayer de ne pas mourir en le chopant. Ce serait bien. Tac. On a probablement de quoi faire l'upgrade. Ah, rien sur le côté. Rien en face. Pareil, on fait pas de finish, vu qu'on sait pas si c'est tous les mobs de la zone qui sont buggés ou pas. On se heal. Et on est bien. Ok. Parfait. Un enregistrement. Un Billy en face. It's a sight to behold, isn't it? The Great Wall of Jericho. On va retenter une jambe, même si j'ai l'impression qu'il finit pas de part.
No, don't make me laugh. Have you seen the blueprints? It's basically just a bunch of giant magnets. But why did we build it in the first place if everything's hopeless? One word, kickback. Listen, I don't care if you want to save your family or whatever. Some people believe in the wall, others pay big money for it. C'est bon. It's all about politics. J'ai tous mes trucs de jambes. Everything has its use for somebody. J'ai tout. That's good enough for me. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est MK6 en tout cas. Et ça me tire dessus. Ah oui, non, t'es méga relou toi en fait. Je me suis dit, on va la jouer comme ça. Et il n'y a rien d'autre. Il y a ça à détruire. Et donc là, on voit un endroit pour tomber. Magnifique. Il y a ça à détruire. Et là, il n'y a pas d'endroit où tomber. Okay. On a ça à débloquer. Ah non, attends, t'es quoi? Non, il y a un qui me tombe dessus? Si. Ok. Wouah! Oh les relous quoi! On voit tellement rien dans cette zone en plus quoi! On voit rien du tout! On voit rien du tout! Bon bah. Ah mais j'ai plus ce qu'il faut! J'ai pas de quoi faire une part, je pense pas! Non! Et bah on va courir! Hein. On va courir! J'aurais peut-être dû avancer plus doucement dans la pièce pour en avoir qu'un seul. On voit rien. On est déjà presque arrivé. Que lui. Est-ce qu'il va nous tirer dessus en haut? C'est ça la question. On va dire, on s'en fout. J'avais oublié ça, moi. Je suis coincé. Tout se passe très bien. Tout se passe extrêmement bien. Je sais pas s'il y a un autre endroit où tomber. Ah, il veut pas me laisser passer, hein. Je suis foutu. 34 secondes en plus. On va tenter le tout pour le tout. Ah le vilain. Ah le vilain. Vilain jeu, toutes mes pièces détachées. J'avais assez pour tout upgrader. On a tenté le trou pour trou, exactement.
quand t'es dev et que tu fais ça et que tu regardes les gens jouer derrière, tu dois tellement te marrer. Tu deviens quelqu'un de méchant. Je t'aime pas beaucoup. Je t'aime pas beaucoup le jeu. C'est temporaire, c'est temporaire. Je vais bientôt te remettre tout plein. Bon, cette fois-ci. Genre, t'es pas mort? Elles sont où mes pièces détachées? Genre, il est pas mort. Lui, il tombe, il meurt pas. Et moi, je tombe. Ok. Voyez de côté, c'est nickel. Donc là, il y a lui. Ok, donc ça c'est good. Ok, c'est quoi la suite? Donc il y a un ennemi qui est posé en haut ici, mais lui on veut pas y toucher. Nous ce qu'on veut c'est faire pop un des deux qui est là. Et c'est le GG. Ok, donc là il n'y en a plus qu'un. Mais l'esquive elle part pas. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire la première fois. Là je pense que c'est l'endroit où on débloque le raccourci. Ou pas du tout. Si, c'est ça. Même si je sais plus bien où c'est. Ah oui, d'accord. Je crois pas alors, je prends pas, je découpe pas, c'est normal. Ok, 3 îles de beauté. Ça c'est fait. En face, il y a quelque chose. Et on peut y aller par là. Ça, il y a ça à débloquer. Un truc qui va me tomber dessus, il y a quoi? Là, il y a un heal. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Là, on peut retomber dans l'escalier. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Toi, tu vas te relever? Non, t'es bien par terre. J'ai pas fait exprès ça. Vous restez vraiment tous au sol? Vous voulez vraiment me le faire croire? Oh, c'est l'armure qu'il faut que je finisse. Tiens, je vais pas ramasser mes demi, ouais. C'est pas très très grave. Ici il y a un loot. Ok. Et du coup c'est par où? Ah mais vous êtes énervé en fait. Il y a un passage en bas? Mais faut que je saute. Faut que je saute je pense. Ça sent le point de non-retour. Et eh bah ben allons-y! Allons-y! Joyeusement! Work on the upper sectors has come to a standstill.
We're running out of materials. Government support's getting more chaotic by the hour. I haven't even been able to pay my builders for weeks. It's getting more and more dangerous to climb any higher. Donc lui, il a une tête et il manque une jambe. C'est bien ça, hein. Il manque jambe et tête. Lui, il n'y a pas de tête. Donc on fera la jambe ici. Si je me mets là, est-ce que j'ai une chance? Ok. Donc toi, faut faire la jambe. Oh là là, c'est très très mal. Mais vas-y, je suis en esquive. Ok, il nous manque juste la tête et le gars du haut a une tête. Alors je veux bien, mais. Ah, mais t'étais bloqué sur un billet en fait. Ok. Un plan MK4. On va se healer. Donc il faut juste choper la tête du gars en haut et on est bien. Et c'est le GG. On va pas faire de bruit. Quand il va tomber, je vais devoir sauter. Je suis bien sur la tête, hein. Oui. Yes. Et yes, on a le full set, oui. Oui. Donc oui, on pouvait avoir le full set sur lui. Il y a du loot. 17 500. Enfin, mais j'arrive pas bien à voir. Donc celui-là on l'a déjà fait. Ce qui manque c'est celui-là. C'est encore plus haut. Okay. Donc pas de raccourci pour le moment. Il faut aller encore plus haut. Non, c'est pas l'armure de base que j'ai. L'armure que j'ai, c'est l'armure de base de The Surge 1. C'est la Lynx. J'ai l'armure de base de The Surge 1, c'est rigolo. Là, il y a un Billy. On va se battre. Ça a rien droppé du tout. Arnaque. Mais j'avoue que j'aurais bien crafté celle-là, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps de la crafter, quoi. Ouf. Il allait falloir que j'aille fasse des sauts de PGM. Oh, pourquoi tu me mets un ennemi vengeur MK10? Qu'est-ce qu'on va vouloir? MK10, on veut l'arme. Donc bras droit. Là, j'ai de quoi normalement passer. Oh, une nouvelle arme, cool. MK10, 5 bras. Ah, bah, je suis même à 2 bras de lame crochue. Ah non, j'ai peut-être pas de quoi faire l'arme. Inventaire. Attends, tu m'as rien trouvé d'autre. Hein. Non, c'est bon. Inventaire. Donc, MK10. On va classer par MK.
maintenant. J'ai qu'une seule arme, 5 bras. Waouh, mais j'ai presque de quoi faire le 7, quoi. Il manque une tête, un plastron, 4 jambes, un bras, 2... Ah, ils sont en train de se battre. Ça me fait des pièces. Ah, cool. Vas-y, continue. Oh, c'est le meilleur spot du monde. Et le raccourci, il est là. Il est là au bout. Dernier retranchement de l'AID. Et du coup, vous êtes méchant ou comment ça se passe? Vous êtes méchant, hein. Vous allez vouloir me taper, hein. Ah non. Ah, ok. Je peux pas le target. Ça, c'est le raccourci, enfin, je pense. One by one, they drop like flies. With every sacrifice, I feel more powerful, more liberated. At last, I have become the Spark incarnate. Soon, my true power shall be revealed for the whole world to see. The spark will strike. The world will change. L'armure genèse, elle a pas de bon bonus pour moi. Elle est pas mal, je crois. Merci beaucoup, Onanex, pour les 4 mois. Merci. On est pas mal. Bim. Du coup, je peux améliorer un bras si je veux. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Par contre, c'est vrai que ça aurait pu être cool de la fabriquer, quoi. Parce qu'elle est très très kikou, hein. Ça doit pas coûter cher en plus. Non, attends, reviens. Ah, je peux. Ok. C'est bien celle-là, hein? Oui, c'est celle-là. Parce que je veux voir à quoi elle ressemble. Ok. Merci beaucoup, Etilion, pour les 2 mois. Coucou, Crane, content de te suivre. On poursuit. Et si t'as des questions sur Conqueror's Blade, n'hésite pas. Bah, c'est très gentil. Merci. Alors, attendez. On va virer celle-là et on va tester le style de celle-là. C'est pas mal, ça va pas tip top avec ma tenue en dessous.
Ça va pas tip-top. Et ça va probablement encore moins bien comme ça. Au moins... Ah, attends. Non, comme ça, comme ça. On remet notre tenue avec une pièce MK10, c'est beau. Tu peux pas changer ta tenue en dessous? Bah j'ai pas trouvé comment, mais je pense que c'est possible. C'était possible, je crois, dans le 1, donc il doit y avoir un moyen. Ça, ça se trouve, c'est même dans le... C'est peut-être là, hein. C'est peut-être dans les options, j'ai jamais trop regardé. Changer de configuration, aide, retour... Peut-être au... Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Il me semble que c'était possible dans le 1. Hop. Et on est retour. Et là, je suis très curieux d'un truc, c'est que... Est-ce qu'il va y avoir de nouveau l'event? Ou pas? Non. Ah bah! Ils sont même plus là en fait. Et là, il y a du MK10. Il faut au moins que je fasse l'arme MK10. Alors attends. Je sais plus ce qu'il me manque. Oula! Ah ouais, non mais il est pas... Il, du coup, celui qui pop, il est pas stun. T'as combien d'implants équipables là? Je sais pas, je suis à 80 donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, normalement je devais faire mon finish. On va jamais finir aujourd'hui. Hein. Moi je veux passer mon stuff MK10. Je sais pas. On finit après Code Vein, mais à mon avis Code Vein, je vais vouloir y jouer un long moment. Normal, alors que tu puisses pas changer de couleur, je viens de regarder. Qu'est-ce qu'il y a, Dragonir? Attends. Dis-moi. C'est ça que tu voulais voir? Bah, il manque juste le 90. Genre, pour changer de couleur, c'est... Attends, trier. C'est aux fonctions... en fonction du nombre d'implants? Qu'est-ce que tu racontes? Faut finir... faut passer niveau 100? Faut... je sais pas. Je sais pas. Par la suite, tu auras 16 implants. Avec le nouvel exo, parce qu'il y a un nouvel exo. T'es en train de me faire un gros spoil ou comment ça marche? Enfin, ça se trouve, le jeu n'est pas du tout fini, ce serait top. Ce serait top. À bras droit, cette fois-ci, je vais pouvoir me faire l'arme. Calme-toi, target. S'il te plaît, merci. Ok, on est à combien? MK10, 3 pour le bras, donc il nous manque juste un. S'il te plaît, reviens en arrière. Donc tout à l'heure je disais, elle est bien leur nouvelle technologie qui permet d'éviter de tomber quand tu fais des combos. Et maintenant faut qu'on sache où on est. Ah, on est là. MK10. MK10. On a fini les bras, on a fini l'arme, il manque 4 jambes, un torse, un casque. Normalement ils sont deux, là j'en vois qu'un, donc ça veut dire qu'il y a une arnaque quelque part. On va faire le corps, ce sera fini. Non, il va tomber, on veut pas le faire tomber. Non. Dis-moi qu'il n'y en a qu'un seul dingo, c'est la pote. Je suis coincé.
Oh, y a pas eu de torse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de torse. Oh, il n'y a pas eu le torse. On va tenter la tête, mais bon. Oh, je suis dégoûté, j'ai pas eu le torse. Donc la tête, c'est bon. Oh si, il est là-bas. Oh yes. Oui. Oh, un plan MK5. Ah, mais c'est parce qu'il s'était déjà dédoublé. D'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Toi, t'es du MK9. On a un peu rien à carrer. What? Donc, nous manque que des jambes. Et merci beaucoup à Maxou pour les 24 mois, 2 ans que je te suis. Merci, c'est très gentil. À toi la couronne. C'est très très gentil. J'espère que ces 2 années t'ont apporté, je sais pas, du fun. De l'amusement. Donc là, on l'a tué tout à l'heure ici. Et donc là, c'est le GG. Nickel. On peut retourner. À moins qu'il y ait un mob MK10 tout de suite maintenant. La réponse est non. Ok, demi-tour. C'est un peu fait dans la douleur, mais ça c'est fait. 2 années de fun, de folie, de glou-glou surtout. Merci Max. Enjoy la petite couronne. Au niveau des pièces, on va peut-être être un peu en galère. Puf puf. Pas de petit profit. On est pas mal. On a 38 000. C'est pas mal. Yes. Yes. Oh là là. Il nous reste 11 000, donc on aura plus. Et ça, donc il nous en manque 4. Donc en gros, que 2. Parce qu'il se dédouble à chaque fois. Donc ça, logiquement, là, on a fini sur ce passage-là. Normalement, on va avoir fini, là. Ah, et en plus, il y a un vrai bonus... D'accord, ok. Il y a un vrai bonus de réduction de la course. Hop. On s'est pas obligé ce qu'on fait, mais j'ai vraiment envie de finir le stuff MK10, c'est trop classe. Ah là là, ça continue de spoil sur le chat. Ça spoil. Ah, n'oublie pas d'améliorer le soin. Mais j'avoue que ton spoil, je vais râler parce que c'est un spoil, mais je vais l'utiliser avec grand plaisir. Donc apparemment, il y a une net baie juste là. No man gets left behind while I'm in charge. Et oui, j'ai oublié d'améliorer le son. That's good. Now get up and fight, Joe. 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 Vas-y, on va lui parler. Everyone's dead. I'm the last man standing. I don't even know what happened. All of a sudden, this crazy preacher waltzes through the battlefield like a tank. Next thing, ah oui, là, le jeu, il te donne le MK10 en fait. And then, just a few minutes later, that snake goes crazy. The pain's unbearable. It's too late for me. Please, have mercy, kill me. Il veut que je le tue. Il souffrait, hein, donc... Ça m'a paru être la chose à faire, ça se trouve fallait pas.
Je voudrais dire s'il est aussi difficile que Dark Souls. Oh non, c'est... Surtout le 2 est plus facile que le 1 en plus. Mais il est vraiment très bien par contre. On est à 12 000. Donc c'était l'implant que je voulais voir. Et en effet, je peux améliorer l'implant. Ah par contre, ça coûte une blinde. Waouh, 3 précharges, 5 charges maximales. Bim. Santé restaurée, 309. Bon, ça, ça n'a pas changé, mais... Ok. Et bah, let's go finir les jambières. On va s'endetter. Quoi. Ok, deux jambes. Elle est belle la musique, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais, il va falloir en tuer un peu plus que prévu. À cause de l'implant, jambe droite. C'est dur à éviter, quoi. Mon dernier implant. Hop. Il te dit vraiment passe ton stuff MK10 là, hein. C'est, il te le donne quoi limite. Hein. Il te le donne complètement. Hein. Et c'est bon. Pourquoi il te le donne? Parce qu'il te donne un mob à farm MK10 qui file beaucoup de scrap et qui en plus se dédouble, donc il te drop deux éléments juste à côté du pop. Ah mais j'ai même pas besoin, ça y est, j'ai tout. Oh là là. Vas-y, j'ai pas un achievement. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est magnifique. C'est du farm très très facile. Bon, alors j'hésite. Est-ce qu'on continue ou est-ce que je monte tous les sets du jeu MK10 avant de faire le boss de fin? Non, c'est pas le Technogenesis, c'est le Lynx. Eh bien, le Lynx. Non, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Améliorer, fabriquer, non, on est bon. Charger l'ennemi. Bon, on peut le faire ça. Ah mais il y en a un deuxième. Je sais pas ce qui se passe. On voit rien. Billy juste là. Ça a l'air fermé. On peut pas ouvrir. Ça par contre c'est vilain ça. Mais vas-y, c'est stun normalement.
Ok. Ça c'est good. Alors là, il y a un loot. D'accord. Un nouvel implant. Dégâts plus 6%, dégâts élémentaires plus 14%, santé restaurée 30%. C'est inutilisable ? Lorsque la santé est faible, régénère la santé, les dégâts sont augmentés et la santé se régénère. Non, c'est... Hein ? C'est un passif ? C'est un passif, ça ? C'est un peu pété, quand même. Mais bon... Quand t'as plus de vie, ouais. Ah oui, non, mais c'est pété. C'est pété. On va pas le mettre. Je sais pas. De toute façon, j'ai que 2 disponibles. Donc il faudrait 18. Faudrait genre enlever ça. Augmente le gain d'énergie et permet de gagner un peu de santé lorsqu'une batterie est remplie. Oh, vas-y, on va le mettre à la place. Ça a l'air mieux. Bon, il aurait fallu mettre les deux, mais... Ça voulait dire enlever mes trucs qui me font gagner plus de scrap, c'était pas possible. Ok, là il y a rien. Là il y a rien. Là. C'est pas un faux trou, hein. C'est pas un faux truc. J'ai même pas vu ce que j'ai chopé. C'est important et ça n'a pas ouvert la porte, donc on va pouvoir recommencer. Oh, faut se refaire le fight avec les deux relous là. Des choses, tout plein des trucs à ramasser. Ok, donc dans quoi je suis tombé? Oh non, attends, mais qu'est-ce qui m'a fait tomber? Ah, c'est un trou, il n'y a pas de grille juste à côté. C'est pas le bon drone. Ok, on est bien. On panique pas. On arrête de faire n'importe quoi. Oh, ce trou qu'ils ont mis juste là. Oh, c'est des gros méchants quand même. Donc ça permet d'éviter de se retaper le combat nul. Attends, vu qu'on est là, faut que je sache quelque chose, ça me fera gagner du temps. Oui, passe. One blessed with the power of creation. One with the power of destruction.
decide the fate of the world, little girl. The Harbingers have lent me their power to snuff out everything you've given life to in a final act of mercy. Your warrior will be the first to fall at my hands. The spark will strike! The world will change! Terrassé, frère Lys. Alors, on est bon. Espace onirique. I can bend reality to my will. All hail Eli, the spark incarnate. Oh, c'est une arme. Il y a un bord que je ne voyais pas. Donc je vais casser l'armure de son bras. On va essayer de casser l'armure. Ah oui. Ok. Par contre, il y a vraiment des parades de partout. Hein. C'est encore un boss à parades. Non ! Ah là là, ça y est. J'essaye de lui virer toutes ses armures. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire pour l'arme V2, on verra. Me dites pas hein, sur le chat. Hein. Bon sinon il a pas l'air. Il a pas l'air trop. Hein. Trop vilain pour le moment. On verra s'il y a une phase 2. Par là. Elle est mignonne cette phase 1 sur 20 du boss. Mais clairement ils ont dit dans notre jeu pareil quoi.
Ah oui. Ok, je crois qu'on a fini le bras. Par contre, il est en train de me finir moi, on va faire la tête. Oh mince, j'ai plus tendu. Ça va? Oh non, vas-y, j'avais fini la tête. J'avais fini la tête. C'est n'importe quoi cet implant parade, hein. Même quand tu pars pas. Hein. Ça t'avertit qu'il va y avoir des attaques. Hein. L'une des plus mauvaises idées du jeu, je pense. C'est l'une des plus mauvaises idées du jeu. Parce que là, tu joues en parade, tu le pars 17 000 fois. Au bout d'un moment, il tape plus. C'est vraiment le gros défaut du jeu pour moi. Même là, je vous avoue que je vois dans quel sens viennent certaines attaques. Hop. Je suis dans ta tête, c'est ça. Mais vas-y, j'ai esquivé. Ah, j'ai voulu finir, j'ai pas fini. Ok, j'ai fini à côté. Éviter de mourir. L'autre a... Ah! Peut-être parce que je m'éloigne trop. On a fini deux. Plus d'endu. Je vais me faire déwater. C'est ma faute. C'est ma faute, il n'y avait plus d'endu. Bon, par contre, il est chaud à jouer en esquive quand même. Il est compliqué. Il est compliqué, compliqué. Surtout que ça se trouve, ce que je fais sert à rien. Attention à la barre verte, oui. Comment fonctionne la vie? Bah quand on a plus, tu meurs. Sinon t'as des injectables qui peuvent te rendre de la vie. Et qui coûtent de l'énergie. Et tu peux avoir des précharges. Essaye d'apprendre ses patterns, mais il y en a tellement. Pas compris. J'ai fini avant. Ah oui, il rattaque directement.
Spooky. J'ai fini le bras. Oh, j'ai pas fini le bras. C'est ce que c'est. Oh, vas-y. J'arrive pas du tout à reconnaître ces patterns. J'arrive absolument pas. J'arrive à esquiver ces 2-3 premières attaques de combo, mais quand c'est un combo à plus de 3 attaques, c'est compliqué. J'y arrive absolument pas. Et ironie du sort, c'est que tu laisses l'implant esquive. Comment ça? Ah, que je laisse l'implant parade, oui. Ah, en vrai, ça aide. En vrai, ça aide. Au pire, tu commences par la tête. Bon, ça changera rien, je pense. De toute façon, faut tout que j'enlève. Il faudrait même limite que je commence par le corps, c'est le plus relou. Tiens, je vais tester. Oh, vas-y. Oh, ça me saoule parce que c'est sûr, je suis sûr que si je le parais, je le finirais en 2 secondes, quoi. Comment tu veux apprendre un pattern aussi rapide d'autant de multi-attaques, quoi? Et je veux pas le finir en blocage, parce qu'en parade, parce que ce serait donner raison à leur système qu'un mauvais système. Qui paraît super bien en plus au début. Il paraît super bien, puis en fait non. J'ai pas envie que le boss de fin soit l'apogée de mon système de parade.
De près, c'est trop dur à éviter. Je tente des trucs nouveaux, hein. Là, j'imagine qu'il faudrait l'assist sur la partie. Oh, j'ai presque réussi à tout éviter. Et merci beaucoup Iscariot pour les 5 mois. Petit message pour te remercier de m'avoir fait découvrir les The Surge qui sont vraiment excellents. Mais oui, ils sont très très bien. Hop. On va y arriver. J'ai pas l'impression de progresser, ça m'énerve. Vraiment bien qu'ils me remettent à 5 heal à chaque fois. Je sais pas si je vais pouvoir casser en plus toutes les... target. Ça, il a des esquives plus sur la gauche en fait. Je me suis dit dans son dos, il allait peut-être pas le faire, mais il le fait tout pareil. Je
Oh, il l'a eu là? Non, il l'a pas eu. Oh non. Ah, oh, je me chopais un heal derrière. Dommage. Il est tellement long en plus ce coup, c'est compliqué de savoir exactement quel est le timing. Des fois les timings rapides, c'est plus facile que les timings longs quoi. Je pense, j'ai quand même des doutes de pouvoir lui casser toutes ses armures avant de le tuer. Arrêtez maintenant pour Code Vein, malheureusement. Il faut qu'on finisse le boss. Oh, j'ai réussi à toutes les éviter. Mince.
Oh non, je suis mort. C'est le décès. Bon, on a réussi à lui enlever 3 pièces sur 5. T'as pas le temps de frapper une ou deux fois le temps qu'il lève son bras de son épée. C'est le moment où je régène mon endu. Parce que j'ai le temps de frapper derrière. Mais il me faut et de l'endu pour frapper et... C'est le moment où je régène mon endu. Bon, en tout cas, ces pièces d'armure s'enlèvent. Donc je soupçonne quand même... que ce soit ça la technique pour la V2, on verra. Ça diminue les dégâts élémentaires? Non, ça diminue pas. Attends. Lorsque la santé est faible, régénère la santé, les dégâts sont augmentés, la santé se régénère. C'est vrai que je l'ai pas trop vu ça, mais bon, c'est pas grave, pire. C'est déjà pas mal passé là. Ouais, tu dois pouvoir tout casser sans le tuer, je pense, oui. Refait direct. J'en avais marre. J'ai dit, je veux faire la tête, je finirai la tête. Oh mais vas-y, j'ai sauvé. Ah, pas celle-là. Je la comprends pas, hein. Parce que je la vois arriver, j'essaye vraiment de faire de l'esquive avant, mais il me prend pendant l'esquive. Oh là là, 3 sur 6. On a combien sur la VUD? 1h15. Et il est déjà 21h30. Bon bah Code Vein est décalé, hein, parce que je ne peux pas finir le let's play en disant bon bah j'arrête là la VOD, c'est juste pas possible. Professionnellement c'est impossible. Alors faut que je coupe, mais bon, ce serait vraiment, vraiment dommage. Et j'ai pas de pièces. La VOD suivante qui consiste à un seul try, oui.
je sais pas ce qu'il fasse. Et bim, espadon de l'archange V2, et voilà, on a enlevé toutes les pièces d'armure, bim, bim, sans utiliser la parade, en full esquive, voilà, la concentration. Was I wrong all this time? Maybe I truly deserve oblivion. You shall be my judge, warrior. Oh, c'est chaud. Ah. Oh. On le sauve ? Ah, vous êtes tous pour le sauver ? Disons que là... En fait, le problème, encore une fois, c'est pas les choix. C'est les dialogues. Non, je serai ton bourreau. C'est horrible. Tout le monde aurait droit à une seconde chance, même toi. Mais je l'ai tué 3 fois, c'est plus une seconde chance. Je vais tenter le 2, on verra. Disons qu'il y a un truc qui me fait tenter le 2, c'est que normalement, c'est pas moi qui dois décider de la vie ou de la mort. Non, mais tu dis, à chaque fois que tu le tues, il revient, faut arrêter, ça marche pas. Ah oui, non, oui, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, ça fait du loot. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le tue, il revient. Donc si on veut suivre la logique, on va lui donner une seconde chance.
Moi non plus, je me comprends. Mais ça aurait été dans le feu de l'action. Tu finis le combat, il meurt, parce que voilà. Mais là... Je sais pas. J'ai eu son arme V2, c'est vrai, on en a plus besoin. Tout le monde a le droit à une seconde chance, même toi. Les deux choix, ils sont bidons. J'ai pas assez d'éléments. Je vais pas... Tu vois, ils auraient mis non, Eli. C'était la dernière fois. C'est pas pareil que non, je serai ton bourreau. Non, c'est pas pareil. Là, ça fait gros bourrin, œil bourreau. Ou alors, trop gentil. Pourquoi l'épargner, il n'a fait que du mal pour mettre fin au cycle de violence. Mais bon, je pense quand même que dans le feu de l'action, il serait pris un coup d'épée en plus, quoi. Mais bon. Allez, on va dire, tout le monde a le droit à une bonne chance, même toi. Perhaps humanity deserves to exist, after all. Thank you so much. You never stopped fighting. Never stopped believing. I always knew you'd save me. But now, it's time to look ahead. I can look right into your heart. I know what the reward you desire so much is. Your compassion. Des griffes avec un proc électrique. Tu le sais? In the beginning, you were but an empty shell. But now, you've become the person I always knew you could be. You truly belong with the other humans. You are one of them. Deep down, you always have been. Mais c'était pas ce que je désirais le plus, je voulais des griffes électriques. Maybe we were asking the wrong question. Being made by humans, machines will never be pure. They will always carry their heritage. By design, they can never be without flaws. But maybe they don't have to be perfect. Maybe all they need. Elle a un regard qui fait peur quand même. A soul. T'as pas envie de l'embêter à l'école, hein? Oh là là. Oh là là. C'est beau. Au chat, Ukrainaï, où est-ce qu'on trouve le grappin ou le drone EM quelque chose? Là, je tourne en boucle. T'as même pas eu encore le drone EM. Je peux t'assurer que tu peux avancer longtemps. Avance l'histoire, tu les trouveras. Tu peux continuer longtemps avant d'avoir le grappin si t'as même pas eu le drone EM encore. Hein. C'était ça la vraie fin, je sais pas. Je sais pas avec quoi je vais commencer en NG+, on va voir. Curieux de savoir ce que c'est l'autre fin. Bah si, après, j'ai pas envie que vous me... Ouais. Le problème, c'est que c'était pas une phrase après le boss de fin. C'est pas pareil de dire après le boss de fin... Quand tu bats le boss de fin du jeu, il y a le générique. C'est pas la même chose que me dire après le boss que je vais affronter, c'est fini, tu vas en NG+. C'est complètement différent. Bref, ne revenons pas là-dessus. C'est très la vraie fin de carrière. C'est ça. Ah, vous croyez que c'est Greta qui est quand elle est en colère? Elle a bien raison. Je suis sur l'autre fin. C'est si tu tues Ellie, probablement, oui. Non, je vais pas le retenter avec l'autre fin. En tout cas, voilà. J'ai quasiment fait tout le jeu sans le système de parade. Juste un boss qui était vraiment trop relou à faire avec sans la parade parce que c'était vraiment très très long. Et on l'avait déjà tué la même version avec moins d'armure. Mais sinon, oui. On s'en fout d'être dur, on voulait la V2. Mais on a la V2. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et Warren dans tout ça. Il attend toujours dans le métro. Mais non, Warren, je l'ai... Il a pris le métro déjà. Il l'a pris. Magnifique générique. Bon, bah finalement, on va commencer le jeu vers 22h, comme si j'avais lancé le live à 21h et qu'on lançait Code Vein à 22h. Bon, en tout cas, les glouglous, ceux qui sont sur YouTube aussi. Petit bilan de The Surge 2. Et bah, je suis toujours aussi fan de la licence. Ça reste mes Souls-like préférés. Je pense que je préfère les The Surge à Dark Souls, même si j'aime beaucoup Dark Souls. Il y a quelque chose dans l'ambiance, il y a quelque chose dans la construction. Je trouve le 2
mieux au niveau level design. Par contre, beaucoup moins agréable au niveau de la personnalisation. Le fait qu'ils aient pas autorisé les implants en double, tout ça, beaucoup moins de builds qui donnent envie d'être testés. Les procs avec des dégâts élémentaires peuvent paraître une bonne idée, mais au final, tu vas surtout te dire j'ai sur certains types de procs et ça va te faire passer à côté de potentiellement pas mal d'armes. Donc personnellement, je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà. Les procs élémentaires te font dire aux F de 50 000 armes que tu chopes. Le système de parade est vraiment, pour moi, était meilleur dans le 1 alors qu'il était déjà pété. Ça part d'une bonne idée, mais l'indicateur de... Sincèrement, j'aurais mis beaucoup plus de temps à faire le boss de fin full en esquive sans l'indicateur de où venait l'attaque. Parce que du coup, tu regardes plus où sont les attaques, tu regardes l'indicateur du système de parade. Et en plus, quand tu pars, là, c'est Noël, tu fais 4 parades derrière, tu tapes ton boss, il réplique même pas. Donc non, système de parade, pour moi, il est pas validé. Les dégâts... Ouais. J'aurais préféré que le type dégâts électriques ou autres soit lié à des implants. Pas assez de variété des implants. Voilà, mais j'espère sincèrement qu'il aura du succès, parce qu'il est quand même excellent, et mieux que le 1 sur beaucoup de points, et qu'il y aura des add-ons du type le truc roguelite, qui était vraiment très très bien dans le 1 aussi, donc j'ai hâte de voir s'il y aura du plus. Mais il est un peu trop facile, trop orienté sur la parade. On a vu qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont très contents de leur système de parade, et je trouve que c'est un mauvais système. Parce que ça rend le jeu très très passif en plus, hein. Attends, je vais bloquer et voir dans quel sens. Ok, haut, droite, gauche, même s'il faut choper le timing, c'est pas évident. Mais ça aurait dû être un truc instinctif, pas être un truc on joue à DDR ou je sais pas quoi. As-tu fait la brute, le bon et l'augmenté? Qu'une idée. Ah oui, non, si, ça c'est la donne du 1. Ah oui, non, ça c'était très très bien. En NG+, il est ange, c'est ça? Bah je sais pas, on va voir. Bah, le 1, je suis pas méga fan du fait de devoir crafter tes armures directement depuis MK1. Pareil, ça te donne pas envie de... Ils enlèvent les maîtrises pour les armes, donc ce qui te permet d'utiliser plein d'armes, donc ça c'est cool. Mais par contre, ils remettent un système de craft pour les armures qui est relou, qui est très très relou. Tu veux crafter le truc, il faut que tu transformes tous tes MK supérieurs, puis ensuite que tu fasses MK1, MK2, MK tout ça. Ça encourage pas la variété, c'est pas méga relou, mais le système du 1 était un peu mieux. Voilà. On peut dire que Crane est un archange, on verra. Donc voilà, le jeu n'est pas parfait. Il y a des choses qui paraissaient vraiment bien au début qui finalement le sont pas. Les drones, c'est une super bonne idée. Par contre, c'est quand même très très fort. C'est pour ça que j'ai essayé quand même de beaucoup jouer sans. Si tu joues parade, si tu joues drone, si tu prends une armure plus tanky ou autre, ça fait un jeu très facile. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que chacun joue comme il veut. S'ils ont envie de la facilité, c'est bien, si ça leur permet de faire le jeu. Mais il y a des petits trucs qui sont... T'as pas l'impression d'avoir le choix. La parade, t'as pas l'impression d'avoir le choix. T'as l'impression qu'ils ont fait le jeu pour que tu fasses comme ça. Et puis, tu fais ta tête de con comme moi et tu pars pas. À la limite, mais t'as vraiment l'impression que le jeu, il est pas vraiment pensé pour toi dans ce cas-là. Le build de drone, il est fumax. Non, mais de base, les drones, ils sont très très forts. Donc, tu prends l'armure. Il y a une armure qui fait que quand tu tues des gens, tu récupères des munitions. Quand tu prends de l'énergie, ou il y a des trucs comme ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs très très forts en drone. La parade aurait été fun s'il n'y avait pas d'indicateur. Et que tu restes en parade, plus tu as de chance contre la brise. Après, ouais, mais pas d'indicateur quand tu dois faire une parade avec une direction. Moi, je préfère le timing simple de « j'ai paré au bon moment ». C'était pas mal. Si tu fais trop tôt, ce sera juste un blocage. Et si tu fais au bon moment, ce sera une parade. Moi, je trouvais ça bien. C'était simple, c'était efficace. Pourquoi avoir voulu changer ça, quoi. Et aussi, autre petite déception, on n'a qu'un seul exosquelette. C'était très agréable dans le premier de trouver plusieurs exosquelettes. Le monde est plus vivant, ça c'est absolument génial. Hmm.
Je sais pas, ouais. Vraiment, encore une fois, le level design est fabuleux, je trouve. Alors, voilà, c'est à peu près... Les tags, c'est rigolo. Je sais pas quoi en penser, parce qu'à la fois, ça tue un peu l'exploration, dans le sens où il y a des gens qui t'indiquent des trucs que tu serais passé à côté. Mais d'un autre côté, c'était bien, parce que ça m'a évité de passer trop au peigne fin certaines zones et de trouver plus rapidement. Et ça fait un côté où tu sais que c'est des joueurs, des vrais joueurs qui l'ont mis, donc c'est un peu communautaire, c'est cool. Ça manque d'un vrai méchant? Oh non, le 1, t'avais l'impression qu'il y avait un vrai méchant? Non, ça va, ça. Mais pour moi, enfin, c'est vrai que Ellie fait pas grand méchant. Maman faisait déjà plus... faisait déjà plus grand méchant. Mais c'est vrai que Ellie... Ellie, il est perdu, quoi. C'est plus ça, quoi. Il est perdu. Je n'ai pas le jeu, mais je trouve qu'ils ont fait du beau boulot sur le jeu. Oui, niveau interface et ergonomie, ça semble très propre. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, c'est dommage qu'ils aient enlevé des qualités du 1, par contre. C'est le seul truc. Je suis curieux d'ailleurs s'il y a des gens qui l'ont... Ah, général mort, 83. C'est tout ? Temps de jeu, 30h51. C'est très peu hein, pour une première run d'un Souls-like, 83 morts. Par contre, temps de jeu, 30h51, je suis... Sachant que j'ai juste fait attention au début du jeu, après j'ai pas fait attention. Mort 0, boss, directeur Garcia, mort 0. Jericho Centreville, mort 13. Boss, Echo d'Excavateur Gamma, mort 0. Niveau 6, sidecore, temps de jeu. Port Nixon, mort 9. Boss Little Johnny, mort 4. Boss Frère Ellie, mort 2. Niveau Gideon's Rock, mort 20. Ah, ça y est, on a le record. Boss Captain Cervantes, mort 0. Boss Excavateur, mort 14. Celui-là, il m'a... Gideon's Rock et le boss Excavateur, ça a été mal. Ça a fait bobo. L'Institut de Technologie, on n'est jamais mort. Le boss Frère Ellie, on n'est jamais mort. Le boss Harold, on n'est jamais mort. Là, on a fait toute une session où on a roulé sur le jeu. Commandement AID 10 morts. C'est très sympa ce truc à la fin. Mort 5 au boss Major Général Ezra Shield. DS Elena, une seule mort. Niveau souterrain, mort 14. Boss Echo d'Excavateur Alpha, mort 8. Niveau cathédrale de l'étincelle, mort 13. Boss Matriarche Céleste, mort 8. Ça va. Boss Archangélie, mort 9. Ça va en fait. Hein. Ça va, ça va. Et la Grande Muraille, mort 13. Rigolo. Très très sympa ça. Très 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 sympa. Pas mal du tout. Je suis mort plus que la moyenne sur le boss de fin, mais je pense que peu de gens, très peu de gens l'ont fait en full esquive. Et j'ai fait le jeu à 100%, je pense. Hein. Mis à part choper des armes V2, mis à part ça, je pense que j'ai fait le jeu à 100%. Comment les moyennes peuvent être aussi élevées pour les autres? Comment ça? Nouvelle partie déverrouillée. Vous avez terminé le jeu, félicitations. Un nouveau mode vous attend, sélectionnez continuer, puis votre dernière sauvegarde, maintenant marquée NP+. Donc on va faire ça pour voir à quoi ça ressemble. Hop, hop. En plus, on n'a pas vu l'intro au début du let's play. Attends, je sais où. Yet because they are created by humans, inheriting all their countless imperfections. How could machines ever be better than us? Would they not, by design, follow the path of their creators and, in the end, fail? C'est tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non, c'est pas fini. C'est nous? Magnifique barbe. Non, je pense que t'as loupé des virgules, Schlagu, que c'était des virgules en fait. Ah, mais on peut regarder? What? Mais on est très... Ah oui, non, c'est vrai qu'on voyage en première classe. Vas-y, moi, quand je veux prendre l'avion, je veux des pièces, des sièges comme ça, quoi. We are currently cruising at an altitude of 35,000 feet, with an airspeed of 1,200 miles per hour.
If the weather cooperates, there should be an amazing view of the city as we descend. I'll be talking to you again before we land. Oh, on n'avait pas vu tout ça, c'est cool. Je peux rien faire. Hein. Ah si, je peux me lever. Ah, mais il y a des trucs à faire ici. Oh, on peut jouer et tout. Oh là là, mais j'ai loupé tout ce passage dans le... Stay inside your cabin. Enjoy the view. Come on, please. I need my time. Your behavior will be recorded. Have a nice day. Mais on pouvait vraiment faire ça au début de la première run ou c'est juste la deuxième run? Parce que moi j'ai pas eu tout ça. C'est exclu ONG+. Oh, trop bien. Trop bien. Je peux m'asseoir ici. Ah, je peux parler. Awesome, thanks. I'll know who to ask next time I'm in trouble. Quand tu t'appelles? Oh, right. Sorry. I'm Athena. Athena Gutenberg. I just can't stand flying alone. Not that I wouldn't be used to it by now. Tu voyages toute seule? I'm going to meet my grandpa for the first time in years. I'm really excited. It'll be weird, though. I haven't seen him in forever. Not in real life, at least. Only on the news. Par contre, t'es... voilà, c'est un avion, c'est pas un dépotoir, hein. Tu vas me faire le plaisir de ranger un petit peu ta cabine? Non mais... Yeah, you too. Oh, and thanks for your help. What's going on? Ladies and gentlemen, this is your captain. It seems that we'll be encountering some turbulence. Please remain calm and stay seated. The situation will soon be resolved. Okay, please return to your seats immediately. We seem to have some... God, what is it? It's coming right at us. Are you evasive maneuvers? Take evasive maneuvers! Shit! Mais c'est vraiment une scène exclusive ONG+, mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Avance le machin ou pas? Emergency landing aboard. No, it's coming. Please for us. Remain calm. It's catching up. And follow the lines on the floor. Je peux pas aller plus vite. Hein. C'est bon. Tout va bien. On a sauvé quelqu'un. J'imagine que ça change quelque chose à un moment. Ah, il y a une fin spéciale NG+ pour de vrai, Refia. Deux mois plus tard. Succès déverrouillé, c'est juste une égratignure. Apparemment, il y a une fin de NG+. The subject seems to be reliving traumatic memories of flight 221. A girl. Some sort of anomaly. It's not over. But this can't be true. There was only one survivor in the crash. Ben non, on a sauvé un autre gars.
On va aller, on va juste aller jusqu'à notre exosquelette. Après, ensuite, il y aura du jeu. Et comme ça, ça va nous permettre de voir s'il y a des différences. Enfin, je l'ai tellement kiffé le jeu que ça me dérange pas de le refaire. Surtout que là que tu connais, donc tu sais ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Après, il y a peut-être des loot exclusifs au NG+, aussi, ce serait fabuleux. Ah, on peut pas accéder à notre menu. Tant qu'on n'a pas... Ok. Pour de vrai ? Ça va mal se passer. Oh, attends. Pourquoi ils nous mettent ça ? Je pense que le jeu, il disait là. S'il te plaît, n'ouvre pas cette porte. Je pense que le jeu, il disait n'ouvre pas cette porte. À mon avis, il disait n'ouvre pas cette porte tout de suite. Du coup, la porte, elle est ouverte maintenant. Ah, c'est peut-être le NG+, le vrai jeu. Et il est où le deuxième drone qui nous a attaqué ? On est du style à se laisser faire, nous. Ah bah non. Ah bah on est mort. Mais non, depuis le début du jeu, ça empêche les attaques distance. Ah vas-y, je veux juste aller chercher mon exosquelette. Vous savez quoi, on reviendra le tuer après. Hein. Parce que faut que j'aille jouer à Code Vein. Il me faut ma dernière. Il est où ? Je sais pas où il est. Vraiment, il y en a un deuxième, je sais pas où il est. Le petit backstab. C'est moi où ils mettent 20 ans à mourir. Mais non, j'ai esquivé. Ah mais j'ai pas d'esquive. Si, j'ai esquivé. Ah mais non, je peux pas esquiver, j'ai pas l'esquive. Ah. Ah. C'est bizarre, je pensais. Je peux vraiment pas sauter? Je peux pas normalement? Je peux pas esquiver sans l'exosquelette, en effet. On va bloquer le raccourci. Là, il y a un Billy qui arrive. La Billy. Là, il va me dire que je peux pas. Ah, je peux pas lui reparler, ok. Ça
falloir aller faire le biliquet juste là. Là on a un heal. Pouf. Pouf. Là il y a un Billy qui sort qui est pas content. On va viser la tête. Max. Même 3 c'est dangereux. Ouf. Non, 4. Ok, la carte d'acquisition. Hop. Ouais, c'est le New Game Plus, ouais. Tac, tac. Il n'y avait rien derrière? No. Guess ça. You are now eligible to redeem your customized MG Exo Rig Mark 12. Et ça va bientôt marquer la fin de cette session. Once you strap it on, it'll melt with your molecules in a black. Merci Daylord pour les 27 mois. Merci, merci. En termes de cohérence d'histoire pour la NG+, rien de faux qu'on m'explique comment tu te retrouves de héros pour une petite fille à un passager, à prisonnier. Il y a un truc que je capte pas tellement. Bah, il l'explique après, parce que justement t'es le seul à survivre et c'est louche, il y a un truc. Ah mais attends, je me suis retrouvé avec plein de... Oh, cool. Cool, cool. Donc ça y est, j'ai tout là. Mince, j'ai pris un level sans faire exprès. C'est pas grave, on va faire ça. Et j'ai pris un level sans faire exprès. Let MG take control of your nervous system and take back control of your life. Ok. Et donc, on a eu la l'espadon d'archange V2. Have a nice day, officer. Oups, pardon, j'ai cassé des choses. Hop, on a notre tenue qui est là. Hop. Et voilà, on a nos implants. Donc il y a toujours que ça de... Mais du coup, on aura peut-être un autre exosquelette après, parce que c'est bizarre, parce que là, tu le débloques presque. Par contre, c'est un peu compliqué, tu sais pas ce que t'avais. Waouh, faut tout remettre là par contre. Ah non, il te le montre. Non, il te le montre, c'est bon. Tac. Tac. Oh, c'est cool. Tu peux refaire facilement ton truc. C'est quoi le dernier? Il y a l'injectable? Non, il n'y a pas l'injectable. Ah, lui par... Non, attends. Mince, ils te l'ont viré. Oh, ils te le virent. Ils te virent ton injectable. Tu te retrouves avec un injectable tout nul. C'est vrai? Apparemment. Ah non, c'est 50%. Non, je dis les bêtises. Ah non, je l'ai déjà équipé. Ah oui, non, je l'ai déjà équipé. J'ai confondu. Bon, alors attends, il manque un truc. On est à combien? On est à 83 sur 95. Mais il n'y a rien qui est... Mais ça, on l'avait plus d'équiper, on avait le 250. C'était quoi le dernier truc, SVP? Ah, si, je sais. C'est bon, je sais, j'ai trouvé. C'était ça. Enfin. Et voilà, donc là, on se retrouve avec ça. Et en effet, regardez directement, c'est du MK11. Donc logiquement, on va voir. On va prendre son bras droit. Bon, bah, je voulais vous montrer pour avoir son arme.
Regarde dans les plans aussi. Vous croyez qu'on a un nouveau truc? On a peut-être avoir un nouveau truc fabriqué. Oh! Oh! On a la tenue de l'archange. Classe Goliath. Augmente considérablement les dégâts élémentaires. Libère des forces et des éléments autour de vous lorsque vous infligez un coup de grâce. Oh, nice. Nice, nice. Mignon. 23% d'impact. Il n'y a pas de malus à l'attaque speed. Très sympa. Il n'y a pas de malus à l'attaque speed. Ça, c'est pas mal. Ok, et une nouvelle tenue. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh là là. Le casse... Attends, je veux juste faire un truc. Bon, bref. Bref, on va pas continuer plus. On est bon. Et c'est beau. Et c'est beau. Ah ouais, non, mais t'as envie de faire la tenue archange. Non, mais cette arme, quoi. 618 de dégâts. Une vitesse d'attaque correcte. Énormément de gains d'énergie. Par contre, ça consomme de l'endu à foison. Non, rigolo. Rigolo, j'avoue. C'est beau. Va tuer l'autre pour voir ce qu'il donne. Non, mais on va pas tout faire. Faudra le faire la prochaine fois. Je le referai probablement à un moment. Bon, allez. On va faire des bisous à tous les glous de YouTube. J'ai un peu dépassé mes horaires, mais ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Ça y est, c'est le GG. C'est la fin de The Surge 2. On verra pour le NG+. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette longue run. Et voilà, des bisous. Ciao, ciao tout le monde.